Dépêchez-vous, entrez! Stop! Seul l'enfant va dans la cellule. C'est le méchant policier. Les parents ne sont pas autorisés. S'il vous plaît, n'emprisonnez pas ma fille. La pauvre petite va être toute seule dans sa cellule. Cette cellule me fait peur. Tout est si sale. J'ai tellement peur. Des donuts? Waouh! Vous ressemblez à ma maman. C'est un masque. Bonjour. C'est la gentille policière. C'est délicieux. J'ai si faim, hein? Waouh, il y a beaucoup de champignons. What? Je les mange. Je suis pas sûre que ces champignons soient bons. Et un cactus? Je vais manger le cactus aussi. Oh, ne mange pas ça. Oh, j'ai une épine dans la langue. Au secours! Où est le criminel? Quoi? Ma langue! Attends, je vais l'enlever avec une pince. Non! Qu'est-ce que c'est que ça? Pas de ça devant un enfant! Va-t'en! Ma pauvre petite, ça doit te faire mal. Ne t'inquiète pas, j'ai un kit de premier secours. Une pompe! Je vais m'en servir pour pomper l'épine. J'ai même pas eu mal! Yeah! Je suis contente que ça ait marché. J'adore les sucettes! Hein? Une souris? Berk, la sucette a trempé dans la crotte. Qu'y a-t-il? Ma sucette a de la crotte dessus! Dégoûtant. Tu veux une sucette poilue? What? Oh les mains! Ne tire pas! Éloigne-moi cette sucette de l'enfant! Ok. Oh non, va-t-elle vraiment tirer sur le méchant policier? Hein? S'il te plaît, ne tire pas, j'ai des enfants! C'est juste un pistolet à sucette! Je t'ai eu! Quoi? Je m'en vais! On l'a bien eu! Il te plaît ton nouveau pistolet à sucette? Oui, il est génial! Oh non, je l'ai fait tomber! Mais regarde, le pistolet a protégé ma sucette! Pam, pam, pam! Oh, tu m'as eu moi aussi! Ok, voici ton déjeuner! Mange la pomme! Miam! Oh oh! Que se passe-t-il? Ma dent bouge! Oh non! Attends, je vais tirer dessus! Allez, n'aie pas peur! Pas question! Je vois! Alors je vais l'extraire avec ça! Ah, ça va être plus facile! Au secours, non, non, non! Ne bouge pas! Arrête, laisse-la! Va-t'en et laisse-moi faire! Phew! Que va-t-on faire pour ta dent? Je vais essayer de tirer doucement. Non, ça va faire mal! Comment l'extraire rapidement? Oh, je sais! Un arc et une flèche? Je vais enrouler un bout de la ficelle sur la flèche. Puis je mets l'autre bout autour de ta dent. Rien de plus rapide qu'une flèche en plein vol. Il faut juste faire en sorte qu'elle soit bien attachée à ta dent. Ça devrait aller. Tu es prête? Ça a marché! La dent est tombée! Oh non, la pauvre petite est malade! Oups, sa morve est partie loin! Oh, c'est plein de bactéries! Gants, sirop, lunettes de protection... On est bon! Il faut faire vite! Allez! Berk, ne me touche pas dessus! Il faut boire le sirop! Je veux pas de sirop! Puisque c'est comme ça, je vais mettre le médicament dans une seringue. Cette aiguille sera encore pire. Non, ça fait trop peur! Arrête! Oh là là! Arrête! J'ai une meilleure idée. Sour Potty! Je vais remplacer la poudre par le sirop contre la toux. Je vais ajouter des vermicelles pour le rendre encore plus sympa. Regarde, tu peux tremper ta sucette dans le bonbon à la fraise. Goûte. C'est délicieux. Yes, je savais que ça allait marcher. Allons-y, Barbie. Oh non, elle est tombée.
Tut-tut. Arrête! Attention, trottinette! T'as coupé la tête de ma Barbie! Wow! Qu'est-ce que c'était que ça? Pourquoi elle pleure? Qu'est-ce qu'il y a? T'as cassé la tête de ma Barbie! Arrête de pleurer! Je vais la réparer! Regarde, t'as une autre poupée ici! Je vais juste lui enlever la tête et donner un nouveau corps à Barbie! Parfait! Elle fait peur! Qu'est-ce que t'as fait cette fois-ci? Elle n'aime pas sa nouvelle Barbie! Elle fait froid dans le dos! Il nous faut une autre solution! Pikachu! Il me donne une idée! Désolée Barbie, on va devoir te couper les cheveux! Je vais te couper! Maintenant qu'elle est chauve, il sera plus facile de la recouvrir de pâte à modeler! On dirait que Barbie est en train de se transformer! Ensuite, je lui fais prendre une douche de peinture jaune. Puis, je passe un pinceau. Et je lui mets des yeux adorables, un nez, un sourire heureux et des joues roses. Je parie que tu reconnais maintenant, avec sa queue en éclair et ses oreilles pointues. C'est Pikachu! Waouh, c'est Pikachu! Mon nouveau copain! Pio, bien joué! Alors que je veux pas manger ce porridge aux insectes! J'ai soif. Je vais prendre de l'eau du robinet. Ça ressemble plus à de la sauce soja. Bah, l'eau est si sale! Rien de meilleur que les sushis. Ah, hein? Je peux avoir quelque chose de mieux à manger, de l'eau propre. Mais j'ai faim! D'accord. Donne-moi ton porridge et ta boisson. Hein? Je vais rouler le porridge en boule de sushi. Les jambes de Barbie vont servir de baguette. Et ton repas est prêt. Tu as même de la sauce soja. Trempe et mange. J'en veux pas. Burk. J'ai dit mange. Non. Ne gaspille pas la nourriture. Non. Et tu lui fais à manger? Donne-moi ça. J'ai dit donne. Eh bien, un cuisinier doit goûter à ses plats. Tu es policier, pas cuisinier. L'eau est sale à ce point? Que faire? Je sais! Faisons des travaux manuels. Je couvre le haut d'une bouteille en plastique avec un mouchoir et je l'attache avec un élastique. Je la retourne et la place dans un vase. Je prends une poignée de sable bleu que je mets dans la bouteille. Puis j'ajoute des cailloux. Et des graviers colorés. Voilà! C'est parfait! Et enfin, je verse l'eau sale. Un purificateur d'eau instantané. Maintenant, on attend. Voyons si ça marche. Regarde, l'eau est claire. C'est bon, tu peux la boire maintenant. Waouh! À la tienne. Pas mal l'astuce. Pas étonnant qu'il n'arrive pas à trouver la bonne clé. Waouh, je veux ces squishies! Bon, c'est l'heure du déjeuner. Porridge avec garniture aux insectes. Mais je veux pas manger ça! Hé! Attention, ses doigts sont écrasés! Oh mince, fais voir! Oh non, ça a l'air sérieux! On va couvrir ça avec un gant de boxe? Tiens, championne! Hein? Que se passe-t-il ici? Elle s'entraîne pour devenir boxeuse. Je te crois pas. Fais-moi voir. Oh non, tu es blessée. Regarde ce que tu as fait. Je suis désolée, mais c'est la porte. Les squishies? Ils sont mous. La gentille policière mijote quelque chose. Je vais coller les squishies sur les barres. Et un sur la serrure aussi. Il est tout mou. Un dernier ici... Voilà! Les squishies vont empêcher la porte de se refermer complètement! Il y en a tellement! Cela enfreint les règles! On doit fermer la porte à clé! Tu parles trop! Il te faut peut-être un encas! J'ai si peur! Hein? Extinction des feux! On dort! Je déteste le noir! Je sais pas si je vais m'endormir! C'est quoi ce bruit?
N'est-elle pas au courant qu'il ne faut pas laisser pendre ses pieds car ça attire les monstres? Le voilà! Oh non, il va s'attaquer à elle! Hein? Au secours, il y a un monstre! Yo! C'était quoi ce bruit? Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un monstre sous mon lit! Un monstre? Les monstres n'existaient pas! Ok, attends! Je t'ai amené de la compagnie! Viens ici! Hé, hey, ça roule, petite fille! Ce prisonnier a l'air d'un gangster! Je vais te lire des histoires qui font peur! Oh ouais! C'est l'histoire d'un monstre géant! Vous me faites peur! Le monstre est de retour! Et il a ramené un copain! Hein? Monstre! Lâche-moi! J'ai si peur! Moi aussi! En fait, le prisonnier n'est pas si dur à cuire que ça! Que se passe-t-il? Pourquoi criez-vous? Il y a un monstre sous le lit! Comment pouvons-nous nous débarrasser des monstres? Oh, je sais! Je prends ce pot, merci! D'abord, je verse de la levure dans le pot. Puis j'ajoute de l'huile végétale jusqu'en haut. Maintenant, je verse du vinaigre dans un autre récipient. Et j'y ajoute du colorant alimentaire vert. Je mélange. Et maintenant, je verse ça dans le pot. On dirait du magma, non? C'est encore mieux en mettant le pot sur une lampe. Ça donne une lampe magma. Waouh, c'est une lampe magma! Regarde ces couleurs! J'adore! Ça a marché! Chut! La petite s'est endormie! Que faites-vous encore ici? Retournez dans votre cellule! J'ai envie de faire caca! Concentration! Ah, mon caca est sorti! Oh non, la chasse d'eau est cassée! Alerte rouge, les toilettes sont bouchées! On ne veut pas être inondé de crottes! Qu'y a-t-il? Wow, mais qu'est-ce que t'as fait? On peut pas fermer le couvercle? On va le fermer avec du scotch! Non, ça sert à rien! Que se passe-t-il ici? Eh bien, regarde! Oh là là! Sors d'ici, je m'en charge! Comment faire? Oh, voyons le réservoir! Comme je le pensais, il est plein de saleté! Heureusement que j'ai une bombe pour les toilettes! Je la place à l'intérieur et elle nettoie le réservoir! N'oublions pas de tirer la chasse! Au revoir, crotte géante à paillettes! Personne ne veut de toi! Je crois que la crotte passera dans le tuyau! Il va falloir faire ça à la main! Dégoûtant! Et maintenant de la mousse nettoyante! Je la fais tournoyer au milieu! Et j'ajoute des capsules mystères. Des capsules mystères? Et après? Eh bien, il faut ajouter du savon. Yeah! Vas-y, essaie. C'est marrant. Tout plein de bonnes choses. Toutes ces bulles. Santé. Ok, il est temps de mélanger maintenant. Regarde, les capsules mystères ont éclos. Rinçons-les pour les découvrir. Des ours en squishies! Ouais! Je vais bien m'en occuper! Quelqu'un vient de prendre un bain de boue? C'est de pire en pire! Elle est en train de tacher les draps blancs! Ouais! Hop hop hop! J'adore sauter! Yeah! Que se passe-t-il ici? Toute cette boue par terre! Oh non! Pas le lit! C'est trop! Ce n'est pas bien. On va vous nettoyer, jeune fille. Une brosse sur une perceuse? C'est quoi ça? Viens ici que je te nettoie les pieds. Non! Laissez-moi! Viens ici! Calme-toi, vilaine! Il faut nettoyer ces pieds sales! Je te tiens! Hein? Je m'en occupe! Tiens, ces bottines vont te nettoyer les pieds. Je les remplis de Sprite.
Puis j'ajoute des mentos pour une petite explosion de bulles. Ça va juste chatouiller un peu. Waouh, c'est agréable! Vas-y, mets tes pieds sur la serviette pour les sécher. Tout propre! Mais il faut s'occuper de ces tâches. Quel cauchemar! Va falloir te mettre au travail, mon vieux. Oh non, c'était pas un cauchemar! Prête pour ton vaccin? Le médecin fait peur à Molly. Je prends laquelle? Ah! La seringue géante! Non! Ça fait trop peur! Prête? Ah! C'est parti! Non! Où vas-tu? Au secours, au secours! Une minute! Comme ça, tu ne pourras plus t'échapper! Laissez-moi partir! Qu'est-ce que vous lui faites? Laissez-la partir! Donnez-moi ça! Ça te fait peur? Mais... c'est une licorne, ça! Je vais transformer ça en une seringue licorne! C'est trop mignon! Plus du tout effrayant, même avec une aiguille! Regarde, cette licorne veut te faire un bisou! Waouh! Fini! Tu mérites un check pour avoir été si courageuse! C'est nul, les licornes! Oh, ça pique! J'ai envie d'aller aux toilettes! Un serpent? Quelle surprise venimeuse! Je veux le caresser! Je pense pas que ce soit une bonne idée! Ah! Oh, il m'a mordu! J'ai entendu crier! Oh non, une morsure de serpent! Il pourrait être venimeux! Fais voir! Il nous faut un pansement. Ah, je sais. J'ai une vieille plaie sur la jambe. Ah oh, ah oh, oh, je l'ai. Ça m'a l'air encore plus venimeux que la morsure de serpent. Voilà, la morsure est couverte. Ça va pas, non? Vous allez lui donner une infection. Prenez ça. Et maintenant, une vraie solution. La pompe. Je vais m'en servir pour extraire le venin. Et appliquer le spray pour ne pas que ça enfle. Je finis avec un joli pansement Hello Kitty. Tada! Ouais, ça va mieux maintenant! Tu as été si courageuse! Je vais enlever ça! C'est moi, Mario! Je vais monter attaquer Bowser! J'arrive, sale tortue! Waouh, quelqu'un est d'humeur à danser! Oh non! Ma tour Lego! Molly a avalé un Lego. Ouais. Oh oh, le méchant docteur est préoccupé par sa chorégraphie. Que se passe-t-il? Oh non, recrache Molly. Tu vas y arriver. Bravo. Berk, c'est dégoûtant. Attends, j'ai une idée. Un moule Lego? Je remplis le moule de chocolat à la myrtille. Quand j'ai fini, je les laisse refroidir et durcir. Le chocolat Lego est prêt. Waouh, on dirait des vrais Lego. Le meilleur, c'est qu'on peut les manger. Je peux jouer avec en plus. Oh, j'ai faim. Je vais en prendre un bout. Le meilleur chocolat Lego du monde. C'est bon, hein? Eh, bats les pattes. Il est bête, ce docteur. Hein? C'est quoi ce bruit? Oh oh! Et si c'était un monstre sous le lit? Il y a quelque chose qui bouge! Qu'est-ce que... J'ai si peur! Mais il faut que je voie! Oh! Au secours! Ok, quel est le problème? Les échardes? Ça fait mal! Oh là là, un hérisson! Il s'est perdu! Des piquants! Je ne pense pas qu'on puisse raser. On va les retirer avec une pince. Ça me fait peur. Oh! J'en ai un. C'est trop de travail comme ça. Aha! Stop! Pourquoi avez-vous ici? Partez. Oh, ma pauvre petite. Il nous faut un kit de premier secours. Une seringue, pour être précise. Je vais m'en servir pour pomper les piquants. Waouh, je sens rien. Ça fait pas mal.
Encore quelques-uns. Fiu, je les ai tous eus. Waouh, vous êtes génial, docteur. Mes mains peuvent faire un check maintenant. Yes, check. C'est l'heure de dormir. Ou des friandises pour Molly. Waouh, regardez cette gélatine au coca. Miam, si sucrée. Trop bon. Molly? Qu'as-tu fait à tes dents? Il faut les brosser immédiatement. Non, merci. Tu as de jolies brosses à dents. Regarde. J'en veux pas. Comment la convaincre? Oh, j'avais oublié que j'avais ce bouchon Shrek. Shrek? Oui, il va sortir du dentifrice pour toi. Il faut que tu essayes. Non. Oh là là, mais comment faire? Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Ok. Regarde. Une pastèque avec des dents? Qu'est-ce que c'est? Madame Pastèque a une carie. Je vais donc lui injecter du produit dégoûtant dans les gencives. Puis il faut lui arracher la dent avec cette énorme pince. Non! Tu veux qu'il t'arrive la même chose? Non! Donnez-moi la brosse à dents! Pas mal l'astuce, docteur. Je ne veux pas perdre de dents. Je veux des chips! Pas avec ses mains toutes sales. Je peux en attraper plein à la fois! Trop bon! Et à qui appartient cette main? C'est le méchant docteur! Moi aussi, j'aime les chips! Non! Lâche ces chips toutes sales! Elles sont si gluantes! C'est vraiment dégoûtant! Regarde, tes mains sont infestées de bactéries! Vous devriez avoir honte! Oh, c'est rien, vous voyez? Va te laver les mains immédiatement! Tiens, prends ce savon! C'est pas drôle! Et je n'aime pas l'odeur. Non, j'en veux pas. Comment faire? Mais une lavette? Une lavette et un feutre. Je vais dessiner des visages sur les lavettes et les mouiller avec du savon. Placez-les sur vos visages et... Soufflez! Je fais des bulles! Waouh, c'est pas mal ça. Lavez-vous les mains pendant que vous y êtes. Ne gaspillons pas toutes ces bulles. C'est bon, bien joué. Fini, mes mains sont propres. Bravo, Molly. J'ai souvent mal à la tête. Je suis faim. Oh, du rouge à lèvres. Je vais essayer. Une seconde. Que fait cette petite fille? Oh, je vais goûter. Un moment, s'il vous plaît. Eh, tu ne peux pas manger de rouge à lèvres. Trouve autre chose pour jouer, comme ces AirPods. Un autre rouge à lèvres? Oh, cet enfant! Ah! Non, tu ne peux pas manger de rouge à lèvres. T'as de la chance, j'ai du chocolat. Je ne veux pas de chocolat. Du chocolat et du rouge à lèvres? Je sais! Le docteur mijote quelque chose d'intéressant. Je vais casser le chocolat en petits morceaux comme ceci. Puis je les verse dans un flacon. Et je les réchauffe. Ils vont fondre en un rien de temps. Oh là là, ça va chauffer! On y est presque. Yes! Je vais remplacer le rouge à lèvres avec le chocolat fondu. On ne verra même pas la différence. Le rouge à lèvres au chocolat est prêt à être mangé. Youh, c'était fatigant. Tiens. Waouh, merci docteur. Je suis jolie. Miam. Et je n'ai plus faim. Quel bon goûter. Un bouton? Quelqu'un va se réveiller du mauvais pied. Non! Blurk. Je vais devoir l'éclater. C'est dégoûtant. Heureusement que j'ai une visière de protection. On va te faire un masque de beauté. Bien sûr, la machine à masque. On va verser de l'aloe vera et de l'eau. Du soda à l'orange? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Presque fini. J'appuie sur le bouton et la machine fait son travail.
Je vais ajouter des paillettes et des vermicelles aussi. Il fait un masque ou une friandise? Fini! Mon invention est prête. Je le place sur ton visage. Tu vas être comme neuf dans quelques minutes. On a un problème! Oh mince! Qu'avez-vous fait? Zut, j'ai échoué. Oh là là, mais qu'est-il arrivé à ton visage? Vous êtes irresponsable, docteur! Ta pauvre peau! Je pense savoir quoi faire. Que va-t-elle faire avec cette feuille de chou? Cette feuille de chou pourrait te servir de masque. Beaucoup plus naturel. Ok, on attend. Prête? Ça a marché! Regarde comme ta peau est douce! Pourquoi fabriquer des masques quand on a des légumes? Juste à temps pour mon expérience. Oh oh, un tremblement de terre? Oh, pauvre Molly est malade! Malade, hein? Voyons voir. Oh là, tu as de la fièvre! Il faut prendre un comprimé! Il est plus gros que ma tête! Il faut le prendre! Non! Non? Ah ah! Je sais! Regarde, Teddy prend le comprimé! Je m'en fiche! Oh non! Teddy est têtu! Je vais devoir lui mettre un tube dans les fesses! Le médicament passe par le tube! Tu veux la même chose? Arrêtez de lui faire peur! Ne t'inquiète pas, Teddy va bien! J'ai une meilleure idée! Des nounours et un scalpel? Je vais couper le nounours et cacher le comprimé à l'intérieur. Ok, cette astuce devrait fonctionner. Tiens, Molly, un bonbon. Waouh, un nounours! Il est délicieux! Vous voyez, mon astuce est bien mieux. Voyons les résultats. Attention! Waouh! C'était quoi? Une flaque de morve? Dégoûtant! Wow! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis couverte de morve, j'ai un mauvais rhume! Il va falloir faire quelque chose. Wow! Mets cette pince sur ton nez pour ne plus éternuer. Mais je peux plus respirer! Ce n'est pas la solution. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. C'est un chapeau de papier toilette, ça? Vas-y, essaie d'en détacher. Super facile! Accès instantané au papier! Génial! Bien joué! Je m'en fiche, je suis bien contente d'être débarrassée. Vous avez rempli son dossier? Oui, c'est bon. Et vous? Oui, c'est fait. Ouais. Il a avalé son chewing-gum de travers? Oh non, il a atterri dans les cheveux de Molly! Oh mince, c'est mauvais ça! Ça ne va pas être facile à retirer. Comment je vais faire? Ah ah! Je vais lui couper les cheveux! Que faites-vous? Il y est presque! Oh là là, non! Quoi? J'essayais de l'enlever? Ce n'est pas la solution! Chut! J'ai une meilleure idée! Comment ce coca va-t-il être utile? Il faut juste tremper le chewing-gum dans le soda et il sera facile à retirer. Regardez. Tada! Facile à enlever. Que se passe-t-il? Oh, oh, rien. On remplit juste ton dossier. Ok. Phew, c'était moins une. Waouh, du slime! Je le veux! Le rouge me plaît bien. Quelle petite rusée. J'ai trop hâte de le manger. Waouh, tellement gluant! Je parie qu'il a le goût de fraise! Trop bon! C'est mon préféré! Mais normalement, il y en a quatre! Oh non! Tu es vilaine, ça ne se mange pas! Je vais mettre une pancarte autour de ses éprouvettes! Ne pas toucher et ne pas manger! Pas les pattes! Vérifions tes... Pourquoi tu es triste? Je veux manger le slime! Oh, mais ça ne se mange pas! On va fabriquer quelque chose. Il me faut des graines de chia, de l'eau, du colorant alimentaire vert et du sucre.
Maintenant, on mélange tout ça. Regarde la consistance gluante. Tada! Je t'ai fabriqué du slime qui se mange. Waouh, ça a l'air bon! C'est meilleur que l'autre! Elle recommence! Oh oh, un vampire? C'est quoi ce bruit? Y a quelqu'un? Bonjour! Je vois rien! Derrière toi! Je ressens une présence derrière moi! Je vais te manger! Eh, laisse-la tranquille, bad girl! Mais je jouais juste avec ses jouets! Un pistolet à l'ail? Prends ça! Ça brûle! Ça va? Tu veux une lampe? Cette torche est nulle! Wow, une lampe Barbie! Molly va faire de beaux rêves maintenant! Bonne nuit! Tout va mieux avec Barbie! Merde! Je vais couper les cheveux de Barbie! Un petit coup ici! Aouh, je me suis coupé le doigt! Nounou, je me suis blessée! Ça sent le sang! Wow, à manger! Donne-moi ton sang! Nounou, tu me fais peur! Non, non, non! Ne la mange pas! Tiens, une sucette au sang! Non! C'est délicieux! Mettons un pansement sur ta coupure! Non! Comment faire? Oh, j'ai une idée! Je vais poser le pansement et prendre un feutre! Je vais dessiner un truc sympa sur le pansement! Ça te dit quelque chose? C'est une licorne! Molly va adorer! Une dernière chose, je coupe les bouts afin de bien le coller sur ton doigt. Et voilà! C'est une licorne! J'adore! C'est l'heure de dormir! Voici ton oreiller! Va t'allonger là-bas! Là, mais c'est un cercueil pour vampire! Maintenant, je ferme le couvercle! Non, j'ai peur! Bonne nuit! Je vais l'enfermer pour être sûre qu'elle dorme bien. Molly? Oh mince, je vais cacher tout ça. Tu as enfermé Molly à l'intérieur? Oh là là! Pose-toi! Oh, peu importe. Molly, t'es là? Nounou, j'avais si peur! Tu es si méchante! Je voulais juste l'aider à dormir. Je vais te rassurer. Que dirais-tu d'un duvet licorne? Licorne? Si coloré! Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ah, elle dort. Bonne nuit! Monsieur Flamingo a faim! Je vais lui donner du dentifrice au Nutella. Tiens, rien de mieux que les vermicelles! Miam miam! Hein? Oh non! Monsieur Flamingo a besoin d'aller aux toilettes! Sa digestion est super rapide! Trop tard! Ma robe! Tu m'as réveillée! Hein? Il te faut une nouvelle robe! Je sais! De la ficelle et une aiguille? On dirait qu'il faudrait de la ficelle plus fine! Oh! Je sais! Je vais improviser! Je vais me servir de mes crocs pour coudre! Voilà! Une cape de vampire designer! Et c'est là! Je l'aime pas! Elle est trop serrée! Elle est parfaite! Oula! Depuis quand Molly aime-t-elle la mode vampire? Qu'est-ce que c'est que ça? Du caca sur ta robe? Ne t'inquiète pas, je m'en charge! Et tu vas faire quoi avec la nappe? D'abord, je la mets sur Molly. Je fais un trou pour la tête. Et deux de plus pour les bras. Voilà! J'ajoute la touche finale avec un ruban. On dirait une belle poupée! La mode Barbie est infaillible. Bon marché. Je vais retourner dormir. Miam! Aouh! Ça fait mal! J'ai perdu une dent! Qu'y a-t-il? Voyons voir. Berk, ta dent est cassée. Je sais quoi faire. À l'ancienne. Je mets de la ficelle autour de la dent. Et je tire. Prête? Non!
ça va faire mal. Ne fais pas ton bébé. On va tirer avec la porte. Hiya! Mais qu'est-ce qui se passe? Ce vampire, je vais lui faire peur avec une fausse croix. Va-t'en! Wow, quelle horreur! Va-t'en! Ne t'inquiète pas, je suis là. J'ai une meilleure idée. Barbie dentiste est là. Ces outils ne sont pas très rassurants. Non! Comment la convaincre? Une seconde, j'ai une idée! Je vais décorer les outils avec des papillons. Un pour la pince, un autre pour l'excavateur. Waouh, des papillons! Son beau sourire est de retour. Il faut que je me lave les dents. Eh bien, il va falloir un autre tube pour la prochaine personne. Elle va tout mettre par terre. Attention! Wow! Ah oh! Qu'est-ce qui se passe? Toi, donne-moi ça, là! Hé! Hey! Regarde-moi ces dents sales! Urk. Je vais te donner de nouveaux crocs! C'est dur de mâcher! Comme un vrai vampire! Prête? Celle qui sort le plus de dentifrice gagne! J'ai gagné! Qu'est-il arrivé à tes dents? Pourquoi t'as des crocs? Pour me ressembler, n'est-ce pas? C'est dégoûtant! Voici ce qu'il te faut! Une brosse à dents licorne! Dis ah! Ah! On laisse agir quelques instants. Et ta-da! Tes dents brillent! Un sourire digne d'une Barbie! Oh, c'est si dur! Enfin! Il me faut du papier! Il lui faut un bouton stop! Elle va finir par ressembler à une momie! Wow! Oh, j'ai pris trop de papier toilette! Mais Molly! C'est malin! Tu es dans un état! Enlevons tout ce papier! Oh! Il y en a tellement, mais quel bazar! Je suppose qu'il va falloir mettre des piquants sur le papier maintenant! Molly ne peut plus s'en servir! J'ai envie de faire pipi! Quoi? Du papier piquant? Barbie! Qu'y a-t-il? Regarde ce que t'as fait! T'aurais pu lui faire mal! Aouh, c'est bien trop aiguisé! Je sais quoi faire! Un ballon? Je vais te montrer comment t'essuyer! Tu prends un morceau de papier toilette et tu essuies en douceur d'un coup! Ça a l'air facile! Bien sûr! Tu te débrouilleras très bien la prochaine fois! Bon, à moi d'aller aux toilettes! Hé, de l'intimité, s'il vous plaît! Le cercueil vient de s'ouvrir tout seul! Oh oh! Nounou vampire s'est réveillé! Ah! C'est quoi ça? Un bonbon? Ferme le couvercle! Attention! Ah! Tu m'as fait mal au doigt! J'adore cette partie! Nounou, j'ai mal! Elle m'énerve! J'ai dit j'ai mal! Aide-moi! Ça suffit! Tais-toi! Molly, me revoilà! Wow! Ça se mange pas, ça! Oh non, mais qu'est-il arrivé à ta main? Une frite? Je sais! Je vais la couper! C'est parfait! Je vais m'en servir de cale, comme ça, quand le couvercle se ferme, il n'écrase pas les doigts! Ça marche! Et maintenant, je mets du spray pour guérir ta main! Tu mérites une sucette pour avoir été si courageuse. Ouais, mon goût préféré. Et des M&M's. Ah, c'est bon. Ensuite, du jus de fraise. Ok, je verse. Quoi d'autre? Ah, ça doit être ça. Hé, c'est mon Pikachu! Donne-le-moi! Non! Oh là là, Pikachu va être étourdi. Tu as détruit mon Pikachu! Hein? Regarde ce que t'as fait! T'en as fait du dessert en peluche! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ton pauvre Pikachu! Oh là là, j'ai pas fait exprès! Une minute! Regarde ce petit lion! Un lion? Il est mignon! Non, c'est un lion monstrueux! Ok, ça fait peur! J'ai plus de peluche maintenant! Ne t'inquiète pas, j'ai une idée! D'abord, je coupe un bout de ce ruban adhésif! Ça devrait aller!
Je vais en colorier la moitié en rouge. Je mets une paille en métal au milieu et je le gonfle comme un ballon. Maintenant qu'on a une boule, je dessine quelques formes. Ça te rappelle quelque chose, non? C'est une Pokéball! Yeah! Tous les Pokéballs ont leur propre Pokémon. Je coupe d'autres bouts de ruban adhésif et je les colorie en jaune. Je les gonfle tous, des grands et des petits. Et je les rassemble pour former un corps. On n'oublie pas les oreilles. Maintenant, je dessine le visage et des yeux qui brillent. Pikachu est prêt! Il faut juste un nœud papillon. Tada! Il est tout mou! Pikachu est une Pokéball! Waouh! Pikachu est si mou! J'adore! Il faut que je l'attrape! Oh là là! Des traces de sang? Il y a à manger par ici! Mais c'est Molly! Juste de la peinture! Coucou Nono! Il faut te laver maintenant! Je veux pas! Dans le bain! Oh! Je veux encore jouer! Je vais préparer ton bain. Je le remplis pour commencer. Je crois pas que le sang soit un bon savon. Bien sûr, un canard méchant. Allez, vas-y! Oh waouh! Molly va prendre un bain? C'est du sang, ça? Quoi? Ben, c'est un bain de vampire! On dirait un sacrifice! Je m'en charge. J'ai une idée. Waouh! Des bulles! Viens ici, il y en a encore plus! Encore mieux, une bombe de bain! Regarde! Tu vois? Elle se répand comme un arc-en-ciel! Les bains colorés sont les meilleurs! Capitaine Krabs en rajoute! Tu t'amuses bien? Ouais! Bulle partie! Wouhou! Ça a l'air tellement ennuyeux! Hein? J'entends un bruit! C'est quoi? Il y a quelque chose dans le placard. Et si c'était un monstre? Regarde ses yeux! Nono! Que se passe-t-il? Il y a un monstre dans le placard, je te jure, il était juste là! Je peux peut-être lui faire peur avec mes pas de danse. Regarde ses mouvements de bras, sale bête! Ou encore mieux, je le tape avec une batte. Viens ici, monstre. Fais attention. Sors de là. Non! Arrête, t'as failli faire mal à son nounours. Que de violence. En tout cas... Regarde. Ton nounours va bien. J'ai toujours peur. Ah oui? Je sais. Que penses-tu d'une couverture licorne? Regarde, c'est confortable. J'ajoute une lampe et tu es bien protégé maintenant. L'emmaillotage, ça marche à tous les coups. Yeah! Où est passé le papier dans cette maison? Attention! Ah, oh, mes doigts! Calcul du niveau de douleur. Méchante porte, tu n'as pas le droit de faire mal à ma maîtresse. Waouh, Megan est aussi forte que Hulk. Où est la porte? Megan, arrête! Donne-moi la porte. Ou au moins, aide-moi à la remettre. Juste ici. Oh. C'était du sport. Maintenant, je vais régler le problème. Il me faut juste une nouille de piscine et je coupe le milieu comme une baguette. Elle va parfaitement sur le bord de la porte. Comme ça, elle ne ferme pas complètement et tous les doigts sont en sécurité. Super malin! Et maintenant, mettons de la glace sur tes doigts. Pauvre petite. Des légumes pour le déjeuner. Quoi? J'ai dit pas de chocolat avant le déjeuner. Regarde ce qu'a fait Mélanie. C'est promis, j'ai plus de chocolat. C'est quoi ça autour de ta bouche? Scanner environnement. Chercher sucre. Sucre détecté. Je te tiens maintenant. Que va faire Megan à Luigi? D'abord, ton cœur. Le problème est situé dans l'estomac. Je suis contente de pouvoir te disséquer. Je vais commencer par découper tes vieilles sutures. Je détecte quelque chose. Un ventre smiley?
Berk, il faut que je le découpe également. J'ai trouvé le chocolat. Comme je l'avais détecté. J'ai trouvé ta cachette, Mélanie. Tu peux nous expliquer? Oh mince! Oh là là! Il faut que je jette tous ces M&M's. Et pour être sûre que tu restes assise et que tu manges tes légumes, je te coince sur la chaise. Tu n'as pas le choix. Mange du raisin. Non! Oh, ok. Et des carottes aussi. Les bonbons nounours sont les préférés de Mélanie. Megan est-elle au courant? Ce sont des bonbons? Oh! Un couteau? Elle ne va pas faire de mal à Mélanie quand même! Oh, ouf! J'ai dit pas de sucre! Tu es si méchante! Que se passe-t-il? Pourquoi ce sachet de bonbons est-il accroché au mur? Ma pauvre, ne pleure pas! Tiens, une sucette! Ouais, merci, nounou! Non! La sucette est toute plate! Plus de sucre! Ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution! De la peinture! Tu veux faire un truc cool? Viens avec moi! Que va faire Nounou avec la peinture? On va enlever toutes les peintures. On roule un bonbon en boule. Et on l'aplatit. On s'assure qu'il soit rond, tout comme de la peinture. Puis on le découpe. Parfait! C'est la solution parfaite pour cacher tes bonbons. Prenons-en un chacune. Chine. Délicieux. Oh oh. Voilà Megan. Qu'est-ce que vous fabriquez? Elles font de la peinture. C'est bien. C'était moins une. Nounou et Mélanie jouent à cache-cache. Où est Nounou? Bouh, je t'ai eu. Je vais t'attraper. Tu peux toujours essayer. J'arrive. Touché, c'est toi le loup. Oups. Qu'est-ce qu'il y a? Vous jouez à quoi? Je veux jouer avec vous. D'accord. Touché. Courez. Oh là là, Megan vient de se transformer en prédateur sauvage. Mais qu'est-ce qu'il y a? Waouh, on dirait que Mélanie est fan de Mercredi Addams. Elle a reproduit tous les détails, même la robe noire. Qu'est-ce que tu portes? Je veux ressembler à Mercredi Addams. Je suis très fan. Ténébreuse et émo? Oui, je lui ressemble maintenant. Je désapprouve. Enlève ton maquillage. Je ne veux pas! Megan a transformé Mélanie en poupée comme elle. Chut, fais comme si ça te plaisait. On dirait que Mélanie sort aujourd'hui. Mais elle n'a pas l'air d'aimer le béret. Oups! Où est ton béret? Je sais pas, je l'ai perdu. Pas de problème, je vais t'en faire un autre. Il me faut juste une des manches de mon pull. Je fais un nœud en haut, un peu plus serré. Comme ça. Et voilà! Un bonnet instantané. Et c'est le... Il est encore plus moche que l'autre. Il te faut aussi une écharpe. Je ne veux pas que tu aies froid. Ça devrait suffire. Elle n'aura pas froid, mais elle va avoir du mal à marcher si elle ne voit pas où elle met les pieds. Nounou, j'ai une écharde. Oh là là! Le niveau de douleur est élevé. Je détecte une menace. Je vais chercher le kit de premier secours. Je prends la pince. Mais ça va lui faire mal. Tu vas te servir d'une pince pour l'enlever? Pas question. Ce n'est pas le jour de Mélanie aujourd'hui. Son écharde se sentait seule, alors elle en a une autre désormais. Où est-elle? J'ai trouvé la pompe. Il faut faire vite. La pompe va extraire l'écharde. C'est gonflé, mais ne t'inquiète pas. J'ai du spray pour traiter ça. Et un pansement, monsieur, madame, pour couvrir la plaie. Yay, yeah, parfait. Madame maladroite est désormais madame heureuse. Oh, elle est jolie, cette Barbie. Oh, que tu es maladroite. Barbie va se faire piétiner.
Ce n'était pas prévu aujourd'hui. Pauvre Barbie. Megan, tu peux la réparer? Une poupée cassée? Je sais quoi faire. Où l'emmènes-tu? Que va faire Megan à Barbie? Je ne m'attendais pas à ce genre d'opération. Oh, Barbie prend-elle des coups de marteau? Il se passe quelque chose de très étrange ici. Ta poupée est prête. Je te présente Barbie Robot. Elle te plaît? Elle ressemble exactement à ma Barbie. Que se passe-t-il? On a deux poupées robots maintenant? C'est la vraie Barbie cassée. Je sais comment réparer Barbie. D'abord, je lui coupe tous les cheveux. Il faut s'assurer que ses cheveux longs ne nous gênent pas. Ne t'inquiète pas, elle ne sera pas complètement chauve. Comme ça. Maintenant, j'enlève tous les cheveux et j'enroule de la pâte à modeler aplatie autour de la tête de Barbie. Je fais une boule. Les membres de Barbie sont utiles. Je les place en haut et en bas de la boule. Super créatif. Je vais recouvrir ses bras et ses jambes de pâte à modeler. Regarde, un monstre tout mignon. Waouh, je veux jouer avec. Merci, nounou. Je suis contente qu'il te plaise. Elle a choisi ce monstre minuscule plutôt que ma création. Hors de ma vue. Ces pauvres Barbie n'ont pas la vie facile. Mélanie a mal au ventre. Heureusement que ces nounous sont là. J'appelle le médecin. Bonjour, petite fille. Ne t'inquiète pas, j'ai ce qu'il faut pour te guérir. Je vais écouter ce qui se passe dans ton corps. Oh là là, c'est très grave. Il faut faire une piqûre. Je déteste les aiguilles. Menace détectée. Ne fais pas de mal à Mélanie. Qui aurait cru que l'oreille du médecin pouvait s'étirer comme un ballon de baudruche? Cette poupée robot fait encore des siennes. Quelques gouttes d'eau devraient éteindre. Oh, détectée. Mon système est défaillant. Ça a marché. Mais le médecin a l'oreille qui pendouille maintenant. Oh, je m'en vais d'ici. Que fait Nounou? Un papillon sur la seringue? L'aiguille ne fait plus si peur. Le papillon va te faire un petit bisou. Fini. C'est tout? J'ai rien senti du tout. Grâce au papillon, Mélanie va bientôt se sentir beaucoup mieux. Une barbe à papa et un squishy? C'est génial! Oups, elle a appuyé trop fort. Et la barbe à papa est par terre. Berk! Ma barbe à papa est dégoûtante! Que se passe-t-il avec ta barbe à papa? Je détecte de la saleté. C'est facile. Il faut juste la nettoyer. J'ai appris que les humains aimaient nettoyer les choses avec de l'eau, alors allons-y. Était-elle censée fondre? Il se passe quelque chose. La barbe à papa de Mélanie n'est plus! Oh non, c'est mon jour de malchance ou quoi? Hein? On dirait que Megan n'est pas encore résistante à l'eau. Que se passe-t-il? Des saletés sur la friandise? J'ai une solution. C'est quoi ça? Ça a l'air cool! Waouh, il y a une sucette à l'intérieur! C'est un protecteur de sucette! Mmm, trop bon! Peut-être qu'il est temps d'emmener Megan au garage. Bienvenue au challenge Relooking Barbie! Alors, voyons ma Barbie. On va se débarrasser de tes boutons. Mais d'abord, on s'occupe de ton nez. J'espère que cette lime à ongles va rétrécir ton nez crochu. On dirait que ça marche. Parfait. Mais tes boutons... Oh, ma morve gluante tombe à pic. On va s'en servir de masque. De la morve multifonction. Voyons... Ça a marché. Berk. Et maintenant, les boutons sur tes fesses. Je vais être obligée de les éclater. Oups, j'en ai mis partout. C'est parti. Je suis une experte en boutons. Ça va être rapide. La première chose à faire, c'est de s'occuper de ces boutons. Berk. Oh non.
Je vais essayer de l'éclater. Berk, tout se pue. C'est pas le moment de jouer avec comme si c'était de la pâte à modeler. Ce mini-masque est la solution. C'est la taille parfaite pour le visage de Barbie. Je l'applique doucement. Tout propre et tout doux. Scarlett gagne une étoile pour un relooking propre. La prochaine fois, Camilla essaie une méthode plus hygiénique. Qu'est-ce qu'on va faire de tes cheveux emmêlés? J'ai pas le choix. Je les coupe. Voilà. Maintenant, il faut raser le reste. Être rasé, c'est stylé aussi, tu sais? Non! Qu'est-ce que t'as fait à mes cheveux? Fini! Maintenant, donne-moi le ballon. Je coupe le bout. Et je le mets sur ton cuir chevelu. Puis, je verse de la colle chaude dessus. Tu ne vas pas sentir la chaleur. Super facile! Bien sûr, il te faut des cheveux. Et je vais te donner des miens. Peu importe l'épaisseur et la longueur. J'espère que ça suffira. Je vais les coller à ton cuir chevelu. Jusqu'à ce que ta tête soit recouverte de magnifiques cheveux. On dirait une star. Yay! Dessiner, c'est bien. Il faut faire de la place. Sinon, tu risques de teindre les cheveux de Barbie accidentellement. Au secours! Oh non! Je suis désolée! Je vais arranger ça. Ah! Il me faut juste un pot où mettre Barbie. Juste à ta taille. C'est l'heure de ton bain de lait, Barbie. Je suis sûre que tu peux retenir ta respiration pendant quelques secondes. J'ajoute quelques gouttes de colorant alimentaire rouge. Maintenant, je referme le pot. Et je le secoue. Encore. Voilà. Super. Voyons le résultat. Waouh! Tu as les cheveux roses. C'est super joli. Ça lui a coupé le souffle à Barbie. J'ai encore une idée. Avec une machine à strass, je lui fais des cheveux de sirène. Juste quelques strass ici et là. Et voilà! Il n'est jamais facile de se couper les cheveux soi-même. Je donne donc l'étoile à Camilla pour son dévouement et son sacrifice. La bouche en cœur? Oh là! Les dents de ma Barbie sont si sales! Heureusement que j'ai toujours du dentifrice sur moi. Ça va nettoyer tout son visage. Et une brosse à dents va aider à enlever toutes les saletés. Les Barbies ont besoin de menthe pour garder la peau fraîche. Oups! Il te faut un appareil. Oh! Mais j'ai une boucle d'oreille en métal. Il faut juste que je tire un peu dessus. Et ça fait un appareil. Tu auras bientôt les dents parfaites. Selfie! Jouons un tour à Barbie. À fond! Oh! Stop! Regarde, un mur! Et Barbie s'étale. Oh là là, tes dents! Je suis désolée. Comment faire? Tiens! Je vais te mettre du vernis sur les lèvres. Comme ça, tes lèvres seront de nouveau roses et charnues. Il faut juste que ça sèche. Et tu as la bouche en cœur prête pour ton selfie. Le tour de Scarlett était dangereux, donc l'étoile est pour Camilla. J'ai mis des coquilles de noix partout. Qu'est-ce que c'est que ça? Un bébé Huggy Wuggy? Ça me donne une idée! Je vais donner à Barbie un ventre de femme enceinte avec une coquille. Je verse de la colle chaude couleur peau dessus. Je suis un génie! Maligne cette astuce!
Fini. Même Barbie a besoin de faire pipi. Tu veux aller aux toilettes? Comment faire? Oh, j'avais oublié que tu as tes propres toilettes. Elle a bu trop de jus d'orange. Et on a une super nouvelle. Barbie va être maman. On saute. Je vais donner à Barbie un ventre de femme enceinte avec ce mignon bébé. Bien au chaud. Super. L'étoile sera pour... Scarlett. Bien joué. Tu as donné un vrai bébé à Barbie, pas un monstre. Ma pauvre Barbie est pieds nus. J'ai failli à mes obligations, Barbie. Attends, une éponge? J'ai une idée. Je dessine une forme ovale sur l'éponge avant de la couper. J'en fais d'autres couleurs. Puis je les place les unes sur les autres comme un sandwich. Et j'ajoute une sangle. Et c'est tes nouveaux chaussons confortables. Oh, oh, attention! J'ai marché dans une crotte. C'est probablement du chocolat. Non. En effet. Heureusement que je t'ai apporté d'autres chaussures. Elles ont des talons rouges à lèvres pour retoucher ta bouche en cœur. C'est l'heure de faire une balade. Barbie adore ses nouvelles chaussures. Stylé. Pour sa détermination et sa créativité, Camilla gagne l'étoile. La bataille s'intensifie. La poche des os de Barbie a rompu. Oula, j'espère qu'on va pas avoir une inondation. Sors-moi, ce bébé! Je peux pas t'emmener chez le médecin, alors je vais m'en occuper. Il faut faire une césarienne. Ces baguettes feront l'affaire. Voici ton bébé. Il est trop chou. Viens ici, petit chéri. On va t'envelopper dans un mouchoir pour que tu aies chaud. Mon bébé! J'ai hâte de voir ton bébé. Mais tu as fait pipi dans ma main? Tu pouvais pas aller aux toilettes? Non! C'est ma poche des os qui a rompu. Je crois que le travail a commencé. Quoi? J'appelle une ambulance. Au secours, ma Barbie est en train d'accoucher. Allez, monte. Bonne chance. Je suis le docteur qui va vous aider à accoucher. Vous êtes prête? 3, 2, 1, poussez. Est-ce que tout va bien se passer? Un accouchement sans accroc. Elle est trop chou. Mon bébé est riche comme moi. Eh bien, l'opération de Scarlett était moins dangereuse et plus hygiénique. Donc, elle gagne l'étoile. Barbie a vraiment besoin de prendre un bain. Regarde de la lessive. Mais j'ai une meilleure idée. J'ai transformé la bouteille en mini baignoire. Je la remplis de bulles. Ah, relax. C'est les vacances. Barbie va prendre le toboggan pour sauter dans la piscine. Vas-y, saute. Sauter. Le toboggan est si haut. Et la piscine est à quelle profondeur? Allez, je te pousse. Oh, j'ai peur. Oh oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Au secours, je sais pas nager. Quelqu'un a fait pipi dans la piscine. Oh là là. Une bouée. Il faut juste la gonfler. Ça a marché. Saute sur le flamant rose et tiens-toi bien. Phew, enfin en sécurité. C'était moins une. Alors l'étoile ira... Camilla. Yes.